Bonjour, ici CryptoAlé, j'espère que vous allez bien. En ce 22 septembre, devinez quoi, la gang, devinez quoi, j'ai retrouvé mes Sombergs. Eh oui, après 2 jours de paranoïa et d'anxiété extrême, j'ai retrouvé à quelle place que je les avais mis. Imaginez-vous donc que je les ai mis sur mon portefeuille, l'application mobile Decent. Je me rappelle que j'avais créé un compte et que j'avais été updater mon message key sur XRP Toolkit le 11 juin, là, dans les alentours du 8 précisément. Et par la suite, j'avais fait en sorte de créer une nouvelle adresse. J'étais sûr à 100% que l'adresse que j'avais updatée, que je reconnaissais pas, là, j'avais aucune idée c'était quoi cette adresse-là, que j'avais mis une adresse sur mon compte MetaMask avec une adresse Ethereum, mais non, vraiment pas. Alors, bien content, je vais pouvoir participer comme que je voulais faire à Flare. C'est sûr que c'est pas mon portefeuille principal, mais quand même, les quantités qu'il y avait dedans, c'était vraiment décevant que je les perde. Alors, c'est simple, j'explique. Avec Decent, on peut avoir un portefeuille biométrique qu'on pèse avec notre pouce et qu'on reçoit le petit portefeuille, là, OK? Biométrique. On a une carte qu'on peut avoir. Moi, je l'ai pas, la carte, comme une carte de débit, carte crédit. Et on a aussi l'application qui est mobile, hein, le software, où ce que j'avais créé un compte et on doit aller changer dans le manager, tu sais, le bon portefeuille. Je me rappelle vraiment pas que j'avais fait ça. Et par la suite, comme j'ai dit, sur XRP Toolkit, on s'en va, on update notre message key, on marque la nouvelle adresse Ethereum qu'on veut que nos Sparks soient versés. Dans ce temps-là, les Sunberg, on ne savait pas que ça existait là. Alors, c'était ça l'erreur que j'ai faite. Et c'est qui m'a fait penser d'aller voir sur mon portefeuille Decent? C'est CryptoCrypteur. Oui, et par hasard, voyez-vous, ça a donné comme ça que il a vu comme ma vidéo, hein, comme plusieurs personnes. Puis il a dit, tu pensais aller voir sur ton portefeuille Decent? Ben, j'ai dit oui, mais je vais vérifier. Mais en tant que tel, qu'est-ce que je peux voir? C'est que c'était vraiment comme le portefeuille software, pas biométrique sur ma clé. Alors c'est pour ça que je pensais pas qu'il était là-dessus, là. Vraiment, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Je vais faire enfin une semaine qui est mieux, hein. Je filais comme pas depuis 2 jours, là. Fait que c'est normal, hein. Ça nous affecte tout quand on perd des cryptos comme ça qu'on nous a donné gratuitement puis qu'on sait qu'on va pouvoir stacker comme ça sur Flare, nos Spark, déléguer nos votes, après ça convertir en nos XRP, en FXRP, ensuite d'aller sur Flare Finance. Vous savez comment est-ce que j'aime la DeFi maintenant, hein? C'est grâce à la DeFi et les notes que maintenant je suis à la maison en temps plein, là. Ainsi que ma femme, n'oubliez pas, elle aussi, elle a démissionné, là. Puis, elle fait avec moi la même job, là. Je suis en train de lui montrer les trucs du métier. Puis, je crois qu'elle va être très, très bonne. Elle a trouvé déjà des bonnes idées pour dans quoi investir. Alors, je vous en fais part aussi dans les prochaines vidéos. Je vais vraiment comme faire différemment avec ma chaîne, comme j'ai dit, là, depuis que je suis revenu ici à temps plein. Alors, grosse nouvelle pour moi, j'ai retrouvé mes Sunberg ainsi que mes Spark, là, naturellement, qui étaient dans mon portefeuille de l'application mobile de Decent que je vais jamais, là. J'utilisais pas vraiment. J'utilisais toujours mon portefeuille biométrique avec le pouce, le compact, la petite machine noire, là. Et alors, merci beaucoup pour ceux qui m'ont soutenu depuis 2 jours, là. J'étais pas dans mon assiette, comme on dit. Puis maintenant, ben là, j'ai le sourire qui m'est revenu, comme on dit, et ça va transparaître, ça c'est sûr, dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, la gang. Ciao!